Un accord aurait été trouvé entre Kylian Mbappé et Florentino Pérez. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, un accord aurait été trouvé entre Pérez et Kylian Mbappé. Un accord verbal, les gars. Les gars, est-ce que Kylian va quitter le PSG? Moi, je pense que si Kylian ne prolonge pas avec le PSG, il est fort probable que le PSG le mette sur le marché, les gars. Parce que Kylian, j'ai du mal à voir Kylian partir libre la saison prochaine au Real de Madrid. J'ai du mal à voir cela. Parce que soit les Qataris vont tout faire pour le prolonger, soit on va le vendre cet été, les gars. Et pour moi, l'option la plus probable, c'est que le PSG le vende cet été, les gars. Pour moi, c'est l'option la plus probable. Parce que les Qataris, en aucun moment, n'accepteront que Kylian s'en aille gratuitement. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian va partir gratuit? Ou alors tu penses tout simplement qu'il va rester au PSG. Donne-moi ton ressenti. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.